Est-ce que tu as vu tes résultats? Oui, papa, je l'ai vu. Tu réalises que tu as échoué? Je n'ai pas échoué. Il me manquait juste quelques points. Quelques points? Calme-toi, mon amour. Sais-tu ce que ceci signifie pour tes études? Tu as 17 ans. Tu as 17 ans! Tu sais ce que ça veut dire? Je suis sûre que nous allons trouver une solution. Quelle solution? Je ne Que sais pouvons-nous pas faire? parler à quelqu'un, tirer quelques ficelles. Je veux dire, nous pouvons le faire. 6, 3, 4 n'est pas la quête. Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas une telle chose. Il va reprendre ses examens et il réussira. Je ne reprendrai pas. Mon ami, tu vas me la fermer. Non, laisse-le parler. Laisse-le parler. Grande gueule. Tête vide. Tu es fier de toi. Mais papa, pourquoi ne pas faire le bac comme les autres personnes normales? Qu'est-ce que tu as dit? Mon amour, c'est bon, calme-toi. Des personnes normales passent leur examen. C'est là ce qu'ils font, idiots. Et tu sais quoi? Je ne dépenserai même pas un centime dans toutes ces bêtises que tu racontes. Tu vas reprendre cet examen et tu vas le réussir. Et si tu refuses, tu resteras au Nigeria et tu apprendras un métier. Espèce d'idiot. Et tu n'as même pas honte. Je ne vais apprendre aucun métier. Vas-tu me fermer ta sale gueule? Ferme-la! T'as pas un tout petit peu honte de toi? Maman, honte? Il n'y a rien de mal à échouer. Il y a de quoi avoir honte. Surtout quand on reprend le même examen pour la deuxième fois. Maman, écoute ce que tu dis. Jam est-il le synonyme de Sat maintenant? J'en ai terminé. S'il te plaît, va dans ta chambre. Ce qui est certain, je ne reprendrai pas. Va dans ta chambre! Je ne reprendrai pas. Papa pense qu'il peut m'imposer n'importe quoi. Je ne reprendrai pas cet examen. Je ne vais pas le reprendre. La ferme! Ah. Tu sais que tu cajoles trop ce garçon, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu le laisses faire tout ce qu'il veut, sans tenir compte des conséquences. C'est mon fils. Et c'est en fait le seul enfant que j'ai. Il a besoin d'aller à l'école. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin de faire quelque chose dans sa vie. Pour qu'il ne soit pas entièrement dépendant de nous pour toute chose. Et qui a dit qu'il ne le fera pas? Écoute, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi sans avoir fait d'études. Je pense que tu es juste un peu... trop sévère. Sévère? Alors comme ça, je suis sévère? Parce que je dis à mon fils qu'il a besoin d'aller à l'école et d'apprendre, suis-je sévère? Suis-je sévère de lui dire qu'il a besoin de faire quelque chose dans sa vie? Un enfant qui n'assume même pas la responsabilité de ses actes. Je trouve que je suis sévère. Oh, mon Dieu! Si seulement nous avions un autre enfant. Je sais. Je le sais. Si seulement j'étais capable de porter un autre enfant. Si seulement tu ne me rappelais pas constamment mon problème médical. Si seulement j'en étais capable. Pas vrai? Tu n'as pas besoin de dire tout ça à chaque fois pour être entendu. Tu sais très bien ce que je voulais dire comme... Oh. Je suis désolé. D'accord. Oh, chérie, je... Oh, voyons. Bébé. Je t'en prie, je suis désolé. S'il te plaît. D'accord, paye juste pour ces cours de SAT. D'accord. Je le ferai. Tout ce que tu veux. D'accord.
Je t'en prie. Je m'inquiète juste pour lui, c'est tout. Moi aussi. C'est d'accord. Tout ira bien. Écoute, mec, ce monsieur me déteste. Je ne serais même pas surpris qu'au fond de compte, il ne soit pas mon père. Quelle est ta moyenne? C'est bien pour toi. Ouais, je suis presque sûr que le professeur a falsifié mes notes. Parce que, comment expliques-tu ma moyenne? Mec, je les ai payés. Tu es censé savoir que l'argent n'est pas un problème. J'ai donné à cet homme les 70 000 qu'il a demandé. Je te rappelle. Jake. Maman. Assieds-toi. Ton père et moi avons décidé que tu vas reprendre ton examen d'SAT. Maman, comment as-tu pu laisser papa te convaincre? Écoute, mes amis s'inscrivent déjà dans les écoles. Tu n'iras dans aucune école avec cette moyenne, mon cher. Ah, mais nous n'avons pas encore essayé. Il y a des écoles qui accepteront ma moyenne sans stress. Hey, arrête de tirer de long en large. Arrête d'insister. Il m'a été très très difficile de convaincre ton père de te payer les cours de soutien. Des cours de soutien? Oui. Pourquoi ne pas aller au Canada et faire le bac? Personne ne m'a demandé mon avis. Et personne ne te donnera une réponse. Ton père ne veut pas qu'on trouve pour toi des solutions aussi faciles. Et pour être honnête, moi non plus. Le fait d'être enfant unique peut clairement aussi avoir un côté négatif. Alors, c'est une autre occasion qui t'a été donnée pour que cette fois tu te surpasses. Est-ce que je me fais comprendre? Rappelle-toi, tu as promis de m'offrir une PS5. Ou parce que je suis un raté selon papa et toi, tu ne vas plus tenir ta promesse. Quand tu seras au magasin, envoie-moi le compte du vendeur. Merci, maman. Faudrait surtout pas le mentionner dans cette maison, parce que si ton père l'apprend, il sera vraiment en colère. D'accord, maman, promis. Mon frère, sérieusement, je vais bientôt avoir ma PS5. Whoop. Bonjour, infirmière. Bienvenue, monsieur. Comment est-ce qu'il va? Il va bien. Voulez-vous que j'appelle le docteur? Non, je verrai le médecin quand j'aurai fini. Très bien. Je pense qu'il a besoin de rentrer à la maison pour dormir un peu. Il ne quitte pas son père depuis qu'il a été admis. Il a besoin de repos, d'un repos décent. Si les infirmières font du relais, je pense qu'il se reposera suffisamment. C'est d'accord. Merci. Je vous en prie. Dennis? Oh, oncle Chris, bienvenue. Oh, merci. Comment tu vas? Je vais bien, tonton. Est-ce que tu as eu quelque chose à manger? Eh bien, pas encore. Mais... D'accord. Viens, on y va. Tu dois manger quelque chose. D'accord. Moi, je vais voir le médecin. Merci, tonton. Comment est-ce qu'il va? Eh bien, je ne sais pas s'il ira mieux, tonton. Monsieur Chris, je vais être franche avec vous. L'état de votre frère ne montre absolument aucun signe d'amélioration. Il se détériore à un rythme vraiment alarmant.
Quelle est la gravité de sa situation? La vérité est que la situation ne s'améliore pas du tout. Et la vitesse à laquelle son corps se dégrade est vraiment choquante. Je ne comprends absolument pas, docteur. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pouvez mieux me l'expliquer? Monsieur Christopher, j'aimerais sincèrement vous donner une réponse définitive. Mais vu la façon dont les choses évoluent, c'est vraiment difficile à dire. Je suis désolée. Merci, docteur. Je vous en prie. Ok, merci. T'en fais encore? C'est bon. Comment va le travail? Le travail va bien. Mais mon amour, tu ne manges pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi cette mine? C'est mon frère. Ok. Comment est-ce qu'il va? Il ne répond pas du tout au traitement. Le docteur dit que nous devons prier. La façon dont elle a dit, c'est comme si nous devons nous préparer à un enterrement. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous préserve de ça. Maman, peux-tu me passer l'ananas, s'il te plaît? Quoi? Excusez-moi. Laisse-moi t'aider. Alors, j'ai parlé à l'école et ils m'ont dit que Jake pouvait reprendre le SAT. Tout cela va coûter 375 000. Cela inclut les 101 leçons. Je t'enverrai l'argent quand je serai au bureau. Es-tu toujours en colère contre moi? Je suis en colère contre la situation, pas contre toi. D'accord. Permets-moi au moins de te servir le petit déjeuner. D'accord. Jake,
Nous sortons. Alors, s'il te plaît, va te préparer. Ah, mais où allons-nous à cette heure-ci? Nous allons t'inscrire au cours de soutien. Pourquoi dois-je vraiment faire ces cours de soutien? Ah, je ne sais pas, oh. T'as peut-être raison. Hmm? T'as repris ton SAT seulement 2 fois. Et ton JAM également. Maman, ce n'est pas juste. Je n'ai pas échoué. J'ai pu entrer dans d'autres universités avec cette moyenne. Mon ami, arrête ça. Hein? Je t'en prie, arrête ça tout de suite. J'ai tellement eu de nuit blanche avec mon mari à cause de tes problèmes. Donc, ce que tu vas faire, c'est de monter là-haut, te changer et redescendre dans 30 minutes. Tout de suite. Maman, c'est pas juste. J'ai pas échoué, c'est pas... Petite impolie. Cette... Oh là là, la vie est si belle. Salut. Écoute, je dois t'avouer que ta coiffure te va ravir. Fais-tu aussi des cours ici? Allô? Je suis dehors. Ça. Excuse-moi. Puis-je avoir ton numéro? Yo, quoi de neuf? Ouais, mon frère. À plus tard. Ouais. Wow. Je dois absolument t'avoir. J'aurai cette fille. Quelle journée. Salut, maman. Salut à toi. Des céréales à cette heure de la nuit? Bien sûr, il n'y a plus à manger. Bien sûr qu'il y a à manger. Il y a à manger dans le frigo, dans le congélateur, dans le garde-manger. T'aurais pu te faire quelque chose rapidement. Ouais, en effet, les hommes cuisinaux. Ils peuvent le faire. Comment s'est passé ton premier jour? C'était bien. Mec, quand viendras-tu à la maison? Devine-moi. Quoi? Ma mère m'a acheté une PS5. C'est pas vrai, mon pote. Je te le jure, j'étais même surpris parce que j'ai eu l'impression qu'après tant de discussions avec elle hier soir, elle ne voudrait plus me l'acheter. Es-tu sérieux que t'as maintenant la PS5, mon frère? Ah, mais ce n'est pas une blague. Wow, mec! Mon frère, voilà, c'est elle. La fille dont je t'ai parlé, qui est-elle? Timio Lozzo. Le monsieur qui fait la une des journaux, ces temps-ci. Il s'agit du père de Timmy. Elle et moi sommes allés à la même école. Je suis sûr que son père veut l'envoyer à l'étranger à cause des prochaines élections. Allô? Où es-tu? Je ne te vois pas. Mec, tu ne peux pas la voir. Oh. Mais dis-moi. Je ne quoi. Te vois. Tu dois faire la queue. J'arrive. La queue? Ok, oui. D'accord, j'arrive. Mec, écoute, c'est une belle fille. Tu dois rejoindre l'équipe. Je sais que vous cherchez tous à attirer son attention. Mais moi, je vais définitivement la voir.
Hey maman, comment tu vas? Bien. Voilà, je pense que c'est bon par ici. Qu'est-ce qu'il y a, Jake? Rien, je voulais juste prendre de tes nouvelles. D'accord. Maman, tu sors aujourd'hui? Non, je ne sors pas. Alors, je peux prendre ta voiture pour les cours? Sans surveillance? Maman, je suis un bon conducteur. Mon cher, tu as aussi 17 ans. Maman, je peux conduire. C'est juste pour les cours, ce n'est même pas loin. La réponse est non, quand même. Je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait où même toi ne m'aimeras plus. Peu importe, ce n'est pas grave. Du chantage émotionnel? Vraiment? D'accord, je verrai comment négocier avec mon ancien chauffeur pour qu'il te conduise à partir de la semaine prochaine. Oh, maman, tu es vraiment la meilleure. C'est ainsi que les choses changent. Maman, tu ne l'as pas encore appelé. D'accord, donne-moi mon téléphone, je vais l'appeler. Voilà, tiens, merci. Merci. Allô, monsieur Lucan? Ouais, s'il vous plaît. Hey, Timmy, c'est ça? Puis-je te déposer avec ma voiture? La voiture de tes parents, tu veux dire? Tu veux dire que je ne peux pas avoir une voiture? Tu as à peine 18 ans, comment peux-tu te payer une voiture? Oh, tu n'as pas besoin d'être méchante actuellement. Venant d'un gars qui pense qu'il peut me séduire avec une voiture, ce n'est pas surprenant. Waouh. Je me fais du souci pour pas toi. Pas la peine. Es-tu toujours aussi grossière? Es-tu toujours aussi condescendant? Wow, condescendant. Comment est-ce qu'on appelle un type qui vient au cours avec une voiture juste pour qu'une fille stupide l'aime? Écoute, j'attends ma voiture, alors j'apprécierais que tu arrêtes de me parler, ok? Eh bien, je voulais juste que tu saches que... Bien. Eh merde. Allons-y. Oh. Salut, chérie. Salut, bienvenue. Bonsoir, Tata Denise. Salut. Salut, comment est-ce que tu vas? Bienvenue. Merci, Tata. Jake? Où est-il? Jake, ton frère est ici. Descends. Oui, j'arrive. Et voici ton Jacob. Frère. Jacob, comment est-ce que tu vas? Quoi de neuf? Ok, Jacob. Dennis va habiter avec nous pour un moment, tu sais très bien que son père est à l'hôpital, tu vois ce que je veux dire. Il va rester avec nous, donc il va partager ta chambre. Alors, mets-y de l'ordre, fais-lui visiter les lieux et assure-toi qu'il soit à l'aise. Allez, vas-y. Ok, je vais te montrer ta chambre. Ok, laisse-moi t'aider. Merci. Hey,
va? Je suis épuisé. Allons à l'étage. N'oublie pas que les enfants y sont. Non, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Ils seront en train de jouer et de faire leur propre truc. Allez, allons-y. Ça va? Ils seront qu'est-ce qui ne va pas? Dans leur chambre à faire leur propre truc. Allez, allons-y. Ils veulent retirer l'oxygène. Ils ont le droit de le faire? Ça s'appelle meurtre par compassion, mais ils ont besoin de mon accord. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne peux pas abandonner mon frère. Je ne peux pas. Je ne peux pas, jamais. Je ne dois pas. Je comprends. Mais as-tu déjà vu les choses de cette façon? Et si c'est ce qu'il voulait? Ce que je veux dire, c'est que... Et s'il était déjà vraiment fatigué? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas. C'est bon, je comprends. Mais je veux juste qu'on soit sûr qu'on ne s'accroche pas à lui pendant qui sait combien de temps. Surtout si c'est sa volonté de se reposer. Je pense que je devrais le faire. Je peux pas te dire quoi faire. C'est ton frère. Et tu le connais mieux que quiconque. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je sais. Est-ce pour cette raison que t'as amené Denis à la maison? Il est à l'hôpital depuis que sa mère est partie. Je veux juste qu'il se repose et qu'il mange sainement. Je veux qu'il puisse dormir à chaud au lieu de dormir sur un canapé d'hôpital. Je suis désolée. Je ne veux pas du tout que mon frère meure. Je le jure. Je t'en prie, arrête de pleurer. Je ne veux pas du tout le perdre. Je ne veux pas du tout le perdre. Je suis désolée. Thank you.
Jack? Jack? Oh, mon amour. C'est si propre. Jack? Jack? Dennis? Oh, tante Kay. Que s'est-il passé ici? Que s'est-il passé? Je pensais pouvoir dormir, alors je me suis dit... Je suis désolé, tata. Non, attends. Mais pourquoi est-ce que tu t'excuses? Tu es en colère. Non, je suis pas en colère, je suis juste surprise. Ah. Dennis, tu as nettoyé partout? Oui, tante. Quand as-tu dormi? Je pense vers 4-5 heures, peut-être. Oh, Seigneur, Dennis. Je suis vraiment désolée, j'aurais dû me douter que t'avais du mal à dormir. Je t'en prie. Retourne dans ta chambre et repose-toi. Seigneur. Où est-elle, bon sang? Quoi de neuf, mec? Salut, mec. À demain, mon vieux. D'accord. Salut, monsieur. Vous êtes là pour quelqu'un? Oui. Timmy? Oui. D'accord. Timmy est ma petite amie. Et nous avons eu un petit malentendu, alors elle veut rentrer. Je voudrais que vous me rendiez un petit service en l'appelant, pendant que je vous fais un petit transfert pour que vous puissiez partir. Pour qui te prends-tu pour me donner des ordres? Monsieur, je suis sérieux, je vous fais le transfert tout de suite. Monsieur l'amoureux... Tu sais qu'on n'y peut rien. Ok, passez-moi votre numéro de compte. Ok, 2-0. Ouais. 7-1. Ouais. 6-4. Ouais. 8-1-5-2. Ok, appelez-la, allez-y. Allô, mademoiselle, je suis dehors. Ok, c'est déjà fait. Merci. Ok, je contrôle. Ok, merci. Ok, merci à toi. Je vous en merci prie. Merci à toi. Merci. Sans merci. Problème, sans souci. Ah, mais il a dit qu'il était là. Salut, Timmy. Si c'est ton chauffeur que tu essayes d'appeler, je l'ai payé pour qu'il parte. T'as fait quoi? Je l'ai fait pour qu'on puisse parler. S'il te plaît, Timmy. S'il te plaît. Écoute, Timmy. Je t'aime tellement, je suis très sérieux. Crois-moi, s'il te plaît. Tous les gars le disent. Écoute, je ne suis pas eux. Je suis moi. J'ai vraiment envie d'aboutir à quelque chose de sérieux avec toi. Mais t'es fou. T'as renvoyé mon chauffeur. Ouais, je l'ai payé pour ça. Cet homme est avide. C'est sûr que j'aurais payé aussi. Regarde aussi le bon côté des choses. Il vient de gagner de l'argent sans même travailler. Ok. Ok. Ok, nous pouvons essayer. D'accord, merci. Ok. Merci. On y va. On peut y aller? Mmh.
Bienvenue chez moi. Voilà. Salut. Mais t'as dit qu'il n'y avait personne. Ignore-le. Que fais-tu ici? Je te croyais à l'hôpital. Oh, eh bien, oncle a demandé que je reste. Jake, rentrons. Allez, allons dans ma chambre. Ignore-le. Voilà. Alors, bébé, voici ma chambre. Ouais, bienvenue dans mon appartement. Bienvenue. Oh. Alors... Je vais bien. Bébé, tu vas juste te détendre un peu. Non, ton frère est en bas. C'est pas bien. Ce mec n'est pas mon frère, c'est mon cousin. La patate, c'est la patate. Où est la différence? Mettons-nous juste à l'aise, hein, s'il te plaît. Je veux rentrer. Ah, bébé, mais tu viens tout juste d'arriver. Ne rentre pas aussitôt, faisons-le. Ton frère est là, je ne peux pas. S'il te plaît, bébé. Je veux rentrer à la maison. Ok, après toi. Putain. Oncle Chris, ma tante, comment va-t-il? Denise... Toi, essaye d'être fort. Je suis désolée, c'est bon. Essaye d'être fort, d'accord? Je suis vraiment désolée, ok? Ça va aller, sois fort. Sois fort, ça va. C'est bon. C'est bon, sois fort, d'accord, sois fort. Désolée, vraiment désolée. Pour ton oncle, je suis désolée. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Mon oncle, nous étions si proches. Je me rendais toujours à l'hôpital pour le voir. Ça va aller. C'est juste... Ok, arrête. Arrête de pleurer. Que vais-je faire maintenant que mon oncle n'est plus? Ça va aller, Dieu seul sait pourquoi c'est arrivé. Alors, de toutes les personnes, pourquoi mon oncle? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était souffrant et hospitalisé avant de mourir. Quel était son diagnostic? Désolée. Et ton cousin, c'était son papa, n'est-ce pas? Oui, il est triste. Tout le monde est très attristé chez nous. Je suis juste venu en classe aujourd'hui parce que je voulais te voir. Désolé, vraiment désolé. Désolé, arrête de pleurer, ok? Nous sommes ensemble maintenant, reprends-toi. Ça ira, je n'aime pas te voir ainsi. Et que vais-je faire maintenant? Désolé. Ça peut aller maintenant. Ok, allons-y. Ma voiture est là.
Ouais. Ça va aller, d'accord? Non. Non. Dennis. Hey. Hey. Si tu as besoin de quelque chose, quoi que ce soit, fais-le-moi savoir ou alors fais-le savoir à ta tante. Ok, nous allons te le donner. D'accord. Nous sommes ta famille maintenant. Jack, s'il te plaît, monte la valise, nous monte-la. Jake, n'as-tu pas entendu ta mère? Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Qu'est-ce qu'il y a, non? Écoute. Tu n'entends pas? C'est un bruit qui vient du bas. Oui. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a quelqu'un d'autre à la maison? Je suis certaine que c'est Dennis. Il a souvent l'habitude. Dennis? Il n'a pas probablement envie de dormir. Non, mais tu n'as pas entendu ce bruit. C'est si fort. Et si c'était un intrus, un voleur ou quelque chose du genre? Mon amour, c'est Dennis, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu fais? Mais bébé, je vais descendre pour aller voir. Non, 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 je vais avec toi. T'as pas besoin de le faire, j'ai pas besoin de ton aide. Il le faut, et c'est moi l'homme, j'ai le devoir de te protéger. Hé, reste derrière moi. Qu'est-ce que tu fais? Reste derrière moi, d'accord? Sois vigilante. Et si ce n'était pas Dennis? Je suis certaine que c'est lui. Dennis? Oh, mon oncle, qu'est-ce que tu fais? T'as pas pu trouver le sommeil? Je suis désolée. Tout va bien. Tout va bien. Nous avons pensé que c'était un voleur, c'est pourquoi nous sommes descendus. Eh bien, je n'ai pas cessé de lui dire que c'était toi. Oui, c'est vrai. D'accord, je pense que je devrais finir ça non, d'abord. Non, non, hey. Dennis, c'est bon. Écoute, ces plats peuvent attendre plus tard. Va dans ta chambre et va te reposer. C'est mieux que tu ailles te coucher. Ok. D'accord. Tu peux laisser ça, c'est bon. Ah, je suis tellement désolé pour lui. Et si Dennis commençait les cours de soutien avec Jake? Pour se remettre les idées en place, pas vrai? Exactement. Ouais, c'est un très bon garçon. Oui, il est. Alors, si tu pouvais prendre des renseignements et me les faire savoir ensuite, je t'enverrai de l'argent. D'accord. Merci, chérie. Merci beaucoup, chérie. Viens là. Viens ici. Ah. Bébé. Ah. Ah,
Je me sens... Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que j'ai une réputation. Les gens vont me regarder bizarrement. Bizarrement? Oga, rassure-toi jusqu'à ce qu'il soit intégré. Et il n'y a rien de mal à ce que ton frère aille Maman, dans la mer. Maman, ce n'est pas mon frère. C'est mon cousin. Eh, hey, c'est quoi la différence, non? Je ne veux pas être un babysitter. Personne ne te demande de faire le babysitting. Peu importe, je ne veux pas. Personne ne t'a demandé ce que tu veux. Tout ce que t'as à faire, c'est d'attendre. Et une fois que ton frère est prêt, vous sortez ensemble, c'est tout. Ah, un point final. C'est ouvert. Oh, tante Dennis. Kay, bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, tante. Ah, qu'est-ce que tu faisais? Oh, j'étais juste assis, rien d'autre. Ok. Ton oncle et moi avons parlé. D'accord. Et on a pensé que tu devrais commencer à préparer ton examen de SAT avec ton frère. Ah. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Je le pense juste. Oh, mais je ne comprends personne. C'est une très bonne opportunité. Ça te permettra, par exemple, de poursuivre tes études en Amérique. C'est ce que ton père a toujours voulu pour toi. Mais je ne voudrais pas contrarier Jake. Je pourrais faire... Jake ira bien. Hmm? Jake, je voudrais te parler de quelque chose. Je suis désolé de m'être introduit dans ta vie, tu vois. Je ne sais pas ce que c'est que de partager son espace avec quelqu'un. Je sais qu'on s'entend bien en tant que cousin, mais je te promets de ne pas t'embarrasser, tu sais. Je vais rester dans mon coin, tu sais, pour ne pas m'immiscer dans tes affaires. Mais tu sais... Je ne sais pas. Oui. Bien. Ouais, tout à fait. Oh, vraiment. Salut. Désolée pour ton père. Ah, merci beaucoup. J'apprécie. Est-ce qu'on peut partir? Oh, bye, Denis. Bye. Où penses-tu aller? Ça ne va pas dans ta tête. Cherche-toi un taxi, mec. Tu ne peux pas réfléchir. Est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Allons-y. Thank you.
Mon frère, cours! Quoi de neuf, maman? Quoi de neuf? Ok, salue-moi que mon enfant doit saluer sa mère. Où est passé ton frère? Comment suis-je censé le savoir? Ah, incroyable! Salut, chérie. Salut. Tiens donc, ne t'ai-je pas manqué ou alors? Je suis désolée, chérie, pour mon arrivée. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Oh. Denise n'est pas encore de retour. À cette heure? Je suis inquiète. Jake a dit qu'il ne l'a pas vue du tout. Où est Jake? Jake! Jacob! Papa! Où est ton frère? Je ne sais pas. J'ai attendu et attendu. Je ne l'ai pas vu. Comment ça, tu ne sais pas? Est-ce que vous n'êtes pas dans la même classe? Mais on s'assoit à des endroits différents. Attends, est-ce que tu l'as vu partir? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, mais qu'est-ce que tu sais? Denise! Oh, Dieu merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, oh, je me suis égaré. Tu t'es égaré? Ah. Attends. Une voiture t'amène à l'école et te ramène à la maison. Où est-ce que tu t'es égaré dans la voiture? Oncle Chris, je me suis égaré. Puis-je aller me reposer, s'il vous plaît? Bien sûr que tu peux y aller. Va prendre ton bain. Je sais que tu lui as fait quelque chose. Il ne parle pas, mais je sais que tu lui as fait quelque chose. Si je me rends compte que tu l'intimides, ou alors que tu as été méchant avec lui, je vais en finir avec toi. Ça, je te l'assure, Jake. Je vais en finir avec toi. Il y a quelque chose, bébé. Je sais qu'il a fait quelque chose. Qu'ai-je fait?
Tout le temps, c'est moi. C'est toujours moi le problème. Quand est-ce que tout ceci s'arrêtera? Jacob. Tu es fou? Je m'appelle Jake. Ah, désolé. Jake, n'allons-nous pas en classe aujourd'hui? C'est quoi ton problème? Mon placenta est-il attaché à ta taille? Ne peux-tu pas aller tout seul? D'accord. De toute façon, j'ai mal à la tête. Désolé. Au moins, peux-tu demander au chauffeur de m'accompagner en cours? Ok, peux-tu juste m'indiquer pour que je puisse retrouver mon chemin? Pourquoi devrais-je le faire? Va demander à tes amis du ghetto. Coucou. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, bienvenue chez moi. Merci. Tu vois, je t'ai dit qu'il n'y avait personne. Ok, allons dans ma chambre. D'accord. Viens. Ok. On y va. Après toi. Merci. Alors, comment ça a été? La journée s'est bien passée. D'accord. J'espère que tu vas bien. Oui. Chérie. Ça devient déjà une habitude. Où est Jake? Il est là, à l'étage. Jacob! Oui, papa. Où est ton frère? Il n'est pas encore entré. Je ne sais pas. Ah. Chérie, je pense qu'il faut que j'aille le chercher. Là, il est presque 20 heures. Il ne connaît pas le chemin et ce n'est pas prudent. Je vais y aller en voiture. Dennis? Ah, oncle Chris! Que s'est-il passé? T'es-tu encore égaré cette fois? Ah, il ne s'est rien passé. Dennis, se passe-t-il quelque chose dont nous ne sommes pas au courant? Pas vraiment, tante Kay. Mais je suis désolé de vous avoir inquiété, ça n'arrivera plus. Quoi? Je n'ai rien fait. Jake, laisse-nous. Bonsoir, oncle Chris. Bonsoir. Alors, tu vas bien? Oui. Pourquoi est-ce que tu couvres les arrières de ton frère? Je ne le couvre pas. C'est vrai. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rentres-tu si tard? Ce n'est pas sa faute. C'est la mienne. D'accord. Eh bien, je pense que puisque tu es à l'aise avec les transports publics, je ne voudrais plus que tu dégardes dorénavant en rentrant. D'accord. Donc, prends cet argent. Mets-le dans ta poche, juste au cas où. Oh, merci, oncle Chris. Oh, je t'en prie. D'accord. Tu étudies? Oui.
D'accord. Rends-nous fiers, d'accord? Ok. Quoi que tu sois en train de faire, prie beaucoup pour que je ne le découvre pas. Prie beaucoup pour que je ne le découvre pas. Ou sinon... C'est pour quoi faire? Oh, c'est pour mon transport pour l'école. Jake! Jake, je suis en train de te parler. Jake! Jake, mais je t'appelle! Mais je t'appelle! Mon oncle est mort, tu t'en souviens? Je croyais qu'il avait été enterré. Je suis désolée, pouvons-nous sortir ensemble demain? Nous pouvons faire... Je ne peux pas, j'ai des choses à faire. Des choses comme quoi? On y va. Eh bien, c'est ce qu'il me fait aussi. Et il est censé être mon frère. Je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Il a juste changé. Écoute, pour Jacob, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça va aller. Hein? Ah, non, non, ma chère. Ne pleure pas, ça va aller. Hein? Ça va aller. Je voulais juste lui demander s'il voulait aller au cinéma parce que mon oncle a fait un film. Il m'a donné 2 billets gratuits. Eh bien, si ça ne te dérange pas, je peux aller avec toi. Vraiment? Oui, bien sûr. Salut, moi c'est Denis. Timiolozo. Quel joli prénom. Oui. Eh bien, ça sera génial. Sinon, comment se passe ta journée? Pas très bien. Pas très bien. Je suis pas sûre. Alors je la rendrai intéressante. Arrête ça, arrête. Hola,
Bonsoir, oncle Chris. Bonsoir, tante Kay. Bonsoir, Davis. Puis-je aller avec une amie, vous savez, au cinéma? Son oncle a fait un film, donc je me suis demandé si je pouvais y aller. Bien sûr, je ne vois pas pourquoi pas. Merci. Ton examen est samedi. Quand est-ce que le film sera diffusé? Dimanche, mais après l'examen. Écoute, même si ce film a lieu le même jour que cet examen, je suis convaincue que Denis est prêt. T'es prêt pour ton examen, oui, n'est-ce pas? Je suis plus que d'accord, prêt. D'accord, Denis, tu peux y aller. Ok. Tu l'as juste arraché de ma bouche. Pourquoi est-ce que mais tu veux le savoir? Savoir? C'est juste une simple question. C'est juste une amie. Écoutez, c'est juste une amie. Rien de plus. Oui. Ok. Juste des amis. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est juste une amie. Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu sais que tu me suivais pour aller au cinéma. Hein? Maintenant, je ne te suivais nulle part, ah, oh. Je ne te suivais nulle ça, part. Que quel film maison, tu vois. Quel film? Quand c'était quoi le titre du film? Quand est-ce que t'as commencé? Qu'est-ce que tu veux dire? Et t'as commencé à mentir à tes parents. Oh, oncle Chris. Ouais. Bienvenue. Merci, comment tu vas? Je vais bien, tu permets? Ah, c'est bon. Hey, j'ai quelque chose pour toi. Vraiment? Ouais. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Pas besoin d'être à ton anniversaire. Je voulais juste que tu aies des habits neufs pour ta sortie. C'est juste une amie. Peu importe. Fais une bonne première impression. Et fais-la sourire, d'accord? Merci, oncle Chris. Je t'en prie. Ah, oui, je sais. As-tu lu le troisième chapitre? Oui, je sais, je sais. Oui, je l'ai lu, ce chapitre. D'accord. Es-tu déjà au chapitre 59? Oh, ok. Oui, peux-tu imaginer qu'un architecte ne sache absolument pas qu'il... Oui, oui. Oh, ok. En fait, il y a un sous-thème à ce sujet. Répondre aux besoins des clients. Oh, ok. Pas de problème. Oui, mais... Je pense que tu devrais aussi essayer. Oui, je sais, je sais. Hey, c'est à toi que je parle. Donne-moi une seconde, je suis au téléphone. Ma mère t'appelle. Écoute, ma tante a besoin de moi. Oui, je te rappelle. Oui, d'accord. Où est-elle? Elle est sur ma tête. Viens la chercher. Ça, c'est très bien. Dennis? Oui, mon oncle. Tes notes sont bonnes. Tes notes sont vraiment très bonnes. Félicitations. Merci beaucoup, oncle Chris. Waouh! Ça, c'est très bien. Jake. Est-ce que tu séchais les cours? Qui? Moi? Oui, toi. Ah ah! Pourquoi as-tu toujours une attitude arrogante à chaque fois qu'on te parle de ton avenir? Ah, c'est bon, laisse ce cerveau vide. D'abord, c'était
6,53. Maintenant, ton score est de 9,50 au SAT. Qui de nos jours a 9,50 au SAT? Qui? Mais papa, j'ai fait mieux que la dernière fois. Écoute ton fils. Il a fait mieux que la dernière fois. Alors, tu veux quoi? Des applaudissements? Tu voudrais qu'on applaudisse pour toi? Hein? 9,50. Dans laquelle des écoles pourras-tu postuler? Qui est-ce qui va t'accepter avec cette note? Avec 9,50. Papa, as-tu déjà envisagé que peut-être, juste peut-être, que je ne suis pas intéressé pour des études supérieures? Papa, tu te trompes sur moi. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que tu écoutes ton fils? Que faire des études supérieures ne fait pas du tout partie de ses rêves? Jake, tais-toi. Ferme ta bouche. Non, mais tu es sérieux? Un peu de respect pour ton père et moi. Pourquoi? Pourquoi devrais-je me taire? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai été humilié par mes propres parents parce que j'ai obtenu une note inférieure à un examen. Les mêmes résultats que d'autres personnes obtiennent et se font admises dans des écoles. Certains font même le bac. Je l'ai suggéré à papa, mais devine quoi? Il a dit non. Il m'a fait reprendre le même examen. Maintenant que j'ai obtenu un 9,50. Mais ce n'est pas toujours assez. Que veux-tu de moi? Tais-toi! Quoi, mon sang? Tête vide! Tais-toi! Tu devrais vraiment avoir honte que ton cousin a une note de 1540 points à son premier essai au SAT. Ah, désolé papa, mais Denis n'est pas ton fils. Bébé, attends, s'il te plaît, calme-toi. Reste calme. Denis, merci beaucoup. Tu nous as vraiment rendus si fiers. Je t'amènerai personnellement faire tes courses. Acheter tout ce que tu veux. Une fois que tu auras été admis et accepté dans l'une des meilleures écoles, je t'amènerai moi-même. Tu achèteras tout ce que tu voudras. Merci. Ok? Merci beaucoup. Ton père aura été fier de toi. Merci. Félicitations, mon garçon. Jake, je suis là pour te parler. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, maman, qu'ai-je fait encore? Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu tournes le dos pendant que ton père et moi on te parle encore? Tu échoues aux examens? T'as des mauvaises notes? Je n'ai pas eu de mauvaises notes, maman. 9,50 est une bonne note. Je n'ai peut-être pas eu plus, mais qui s'en soucie? Ton père s'en soucie. Je m'en soucie. Papa me déteste. Et qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Peut-être parce qu'il n'est pas mon vrai père. T'es malade? Comment oses-tu me traiter de femme adultère? Écoute, Jake, tu peux parler comme un malpropre, aller jusqu'à gâter ta propre vie. Mais franchir la ligne et me traiter ta mère d'adultère. Et si tu ne fais pas attention, tu feras tes études ici au Nigeria. N'importe quoi. Super. Ouais, super. Qui a 1540 de moyenne? Du genre, qui a une telle moyenne au Nigeria? Tu es un génie! Comment ça, un génie?
Les génies, comme tu dis, obtiennent 16, ma chère. Mais tu y étais presque. Qu'est-ce que tu racontes? Merci. J'ai fait de mon mieux. Écoute, nous devrons célébrer cela. Oui. Que fais-tu ici? Je suis venue voir mon ami pour fêter sa réussite au SAT École. Attends, tu entres chez mon père pour voir mon cousin. N'est-ce pas un monde libre? Ah. N'est-ce pas à cause de lui que tu as refusé de coucher avec moi? Je croyais que tu étais vierge. Regarde-toi, pute. Ne me traite pas de pute, Jacob. Oui, ne la traite pas de pute. Qui t'a invité ici, moins que rien? Laisse-nous tranquille, Jake! Maintenant, va-t'en de chez nous. Tu ne la touche pas. Denis, arrêtez ça, tous les deux. Arrêtez, s'il vous plaît. Tu vas tous les deux, arrêtez. Vous devez arrêter ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sécurité, arrêtez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. Que s'est-il passé? Il est tombé. Alors, s'il est tombé, qu'est-il arrivé à ton visage? Je suis aussi tombé. Dis-leur la vérité. Tu es tombé. Pourquoi le laisses-tu t'intimider? Hmm? Le gardien était là et il a vu tout ce qui s'est passé. Une jeune fille est venue te voir et il t'a attaqué sans aucune raison. Alors, pourquoi est-ce que tu le laisses t'intimider? Papa! C'est ma petite amie. Je croyais que t'as dit que t'étais tombée. Maman, depuis que ce garçon est arrivé, je n'existe plus. Il a volé l'amour de mes parents. Il a volé mon éducation. Et maintenant, il veut voler ma meuf. Je ne le permettrai pas. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Hmm? Ma meuf. Ma meuf. Est-ce que t'as une meuf? Peux-tu prendre soin d'une meuf? Tu n'es même pas capable à réussir un simple examen de SAT. Et tu es là à parler, ma meuf, ma meuf, ma meuf. C'est ma meuf, il a volé ma meuf. Excuse-toi chez ton frère. Papa, pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? On s'est battu. Nous sommes censés nous excuser tous les deux. Tu l'as attaqué. Tu lui as donné le premier coup de poing. Mais maman, il m'a provoqué. Jacob! Excuse-toi auprès de ton frère. Ou sinon tu peux dire adieu à tes études à l'étranger. Oh. Alors bien, la décision est prise. Maman. Excusez-moi. Ne m'appelle pas. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas apprendre à être responsable au lieu de faire ces bêtises. Tu es content? Ah, mais je ne t'ai rien fait. Ok, d'accord. On verra bien. Je dois absolument faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Alors, Denis pense qu'il est mieux que moi. Je dois absolument faire quelque chose. Attends, tout ceci est parce que il pense que Denis est plus parfait que moi. Alors, et si je... Ok. Je vais m'occuper de toi. Je suis désolée. Tout ceci est de ma faute. En quoi est-ce ta faute? Est-ce ta faute si Jake se comporte mal avec moi? Eh bien, peut-être que je n'aurais pas dû venir. Et qu'est-ce que disent tes parents? Ses parents, tu veux dire? Je comprends ce que Jake a dû traverser. Pour être honnête, tu sais, il est le seul enfant. Il est obligé de partager son amour, l'affection de ses parents, tu sais. Et il doit tout partager avec moi. Même sa moyenne au SAT n'est pas du tout bonne. Et sa petite amie
Ses amis... Je ne suis pas sa petite amie. Oh, désolé. Alors, quelle est l'université dans laquelle tu postules? Eh bien, mon oncle veut que j'essaye de grandes écoles. Alors, Oxford, Cambridge, Harvard... Peut-être, j'en sais rien. Denis. Écoute, Jake, à mon avis, tu en as déjà assez fait. Regarde mon visage, je ne veux plus de disputes avec toi. Écoute, je ne suis pas là pour te donner des coups ou me battre. Je suis là pour m'excuser. Salut, Timmy. Salut, Jake. Je vous apporte du jus de fruits juste pour m'excuser. Si je suis pardonné, je vous prie d'accepter ceci. Merci. Denis. Oui? Tu n'es pas le problème. Je pense que je dois faire mieux. Je suis désolé de t'avoir fait passer un enfer. C'est pas grave, je comprends. Alors, on fait la paix? Ouais, ok. Merci, frère. Puis-je au moins avoir un câlin? Non. Ce n'est pas grave, je le mérite. Continuez d'apprécier votre jus. Je vous verrai plus tard. Ok. À ta santé. Qu'es-tu sur le point de faire? Quoi? Ah, n'as-tu pas vu tous ces films d'Hollywood où les gens font semblant d'être gentils et vous offrent des boissons empoisonnées? Allez, écoute, nous sommes en 2024. Et donc, Jake peut être traité de tous les noms. Mais de l'empoisonner une boisson, oh... Alors, et si ces universités ne t'acceptent pas? Eh bien, honnêtement, ça ne me dérange pas du tout d'étudier au Nigeria. Tu plaisantes? Que veux-tu dire par tu veux? Tu vas bien? Denis? Denis? Denis, s'il te plaît! Denis, 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 Denis! S'il te plaît, parle-moi, Denis, s'il te plaît! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Denis! Denis, Denis! Denis, parle! Denis, parle! Denis, parle! Denis, parle! Denis, parle! Quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît! Denis, Denis, parle! Denis, arrête ça, s'il te plaît, Denis! Parle-moi! Parle-moi, Denis, je t'en prie! Parle-moi, s'il te plaît, parle! Denis! Denis, je t'en prie! Oh, bienvenue, monsieur! Hey. Es-tu celle qui nous a appelés? Oui, oui, je vous ai appelé. Timmy? S'il vous plaît. Comment elle va? Où est mon fils? Comment va-t-il? Parle-nous. Monsieur Chris? Docteur? Est-ce qu'il va bien? Nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant dans le sang de Denis. Ah, 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 c'est quoi le problème véritablement? Est-ce qu'il va au moins s'en sortir, docteur? Nous avons trouvé une très grande quantité de drogue dans son organisme. La drogue? Ouais. Est-ce que vous avez dit de la drogue? Il n'a jamais fumé une seule cigarette de toute sa vie. Il doit certainement avoir une erreur, docteur. Monsieur Chris, c'est ce qu'on retrouve fréquemment chez les jeunes de nos jours. Je veux dire, ils expérimentent sans même que leurs parents soient au courant. Quoi? Comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ça? Ce n'est pas du tout possible. Nous le contrôlons presque tout le temps. Nous savons ce qu'il fait. Monsieur Chris, parfois même les parents les plus vigilants ne peuvent pas empêcher que cela arrive. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce que cette substance a fait à son cerveau. Hey. Oh. Je suis navrée. Denise est dans un très mauvais état maintenant. C'est pas vrai. Oui. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Toi, arrêtez! Attends. Ok. Cette pauvre fille. Pourquoi ne nous a-t-elle pas appelé? Elle nous a appelé. Je sais. Seigneur. Calme-toi. Ok, je suis calme. Monsieur, pour ce Jack a empoisonné nos boissons. Hein? C'est quoi ces bêtises que tu racontes? Ce ne sont pas des bêtises. Nous étions en train de discuter quand Jake nous a apporté des boissons. À l'instant d'après, Denis s'est figé et il a commencé à jeter des vomis. Que veux-tu insinuer, jeune fille? Hey. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu en es sûre? Est-ce que ce que tu nous dis, tu en es vraiment sûre? Je suis sûre, monsieur. C'est ce qui s'est passé. J'étais là,
j'étais là. Jake, ça ne peut pas, ça ne peut pas être Jake. Oh mon Dieu. Jake. Hey, qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Bonsoir papa, il y a un problème. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Je ne l'ai rien fait. L'as-tu empoisonné? Puisque je As-tu mis quelque chose dans sa boisson? Est-ce que tu l'as empoisonné? Je ne lui ai rien donné. Je vais te fouiller. Allez, attends. Papa, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Mais vas-y, dis-moi la vérité. Papa, je n'ai rien fait à Dennis. Personne n'a empoisonné Dennis. Dennis est en train de mourir à l'hôpital. Et toi, tu oses me mentir? Il a été drogué. Qu'est-ce que tu lui as fait? Papa, je ne l'ai pas empoisonné. Personne n'a empoisonné Dennis. Qui sait ce qu'il a consommé? Donne-moi ça. Papa, c'est quelque chose de personnel. Nos, même pas. Ah, que se passe-t-il? Chérie? C'est quoi ça? Jake! La drogue. Tu as empoisonné ton frère. Jake. Seigneur. Monsieur et Madame Odo, malgré tout ce que nous avons fait pour pouvoir le sauver, nous n'avons pas pu le sauver. Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir, mais sa situation allait de mal en pis. Non! 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 Non, ceci ne peut pas être arrivé! Docteur, comment est-ce possible? Vous avez dit que vous feriez de votre mieux. Docteur, Parfois, vous avez dit que vous ferez tout pour le sauver. Il ne peut pas mourir pour ça. Nous essayons de faire tout ce qui est à notre pouvoir, mais toutes les conditions ne sont vraiment pas à notre pouvoir. Il n'y avait rien à faire. Je suis navrée. Pouvons-nous au moins le voir? Docteur, je veux voir mon fils. Je veux le voir. Bien sûr, madame, vous pouvez le voir. Je suis désolée. Papa, je suis désolée. Papa. Chérie. Chérie. Je suis désolée. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie. Je t'en supplie, c'est mon seul enfant. Ton unique enfant qui a tué quelqu'un. Qui a tué son cousin. Il est temps qu'il apprenne de ses erreurs. Il va en être responsable. C'est une erreur, je t'en prie. Je t'en supplie. Chérie, non. Il doit payer pour ça. Il doit payer. Il doit tirer une leçon de tout ça. Maintenant, emmenez-le. Papa, je suis désolé. Ne fais pas ça. Fais quelque chose. Allez, emmenez-le. Fais quelque chose. Oh non. Non. Mon fils. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux rester avec ma soeur. Qu'est-ce que tu as fait? Laisse-les l'emmener. Arrête. Non. Chérie, tu ne peux pas m'enlever ma joie. Retire ta place. Calme-toi. Non, tu peux chérie, arrêter. Arrête. Lâche-moi. Arrête. Ressaisis-toi maintenant. Allez, arrête. Nous avons échoué. Il est temps maintenant que le système le corrige pour nous. Je dois en tirer des leçons. Non. Lâche-moi. Lâche-moi. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? C'est bon. Pourquoi? Quand il reviendra, il sera mieux. Lâche-moi. Chérie, tu ne comprends pas. Il pouvait faire quelque chose qui pouvait le tuer. Il a besoin d'être corrigé. Ça, c'est un cauchemar, mauvais rêve. C'est ton fils. Chérie, ta place. Retire-la. Pourquoi est-ce que tu veux m'enlever ma joie? Pourquoi est-ce que tu veux me tuer? C'est bon. Bébé. Il va te punir. Il va te punir. Bébé. C'est votre seul enfant. Bébé. Tu m'as tué.
Mais... Seigneur, remets mon enfant. Ce Dieu va te punir. Il va te punir, lâche-moi. C'est bon, calme-toi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.